À la lumière de quelques bougies, on écoute attentivement l'histoire racontée par cet officier de la guerre de 1870. Sous ce costume, c'est Yannick Unfricht, un des bénévoles de l'association du Fort Saint-Sébastien. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, il conte au public le siège de Bitche dans une salle aménagée. Une lecture qui plonge les spectateurs au cœur de l'histoire de la commune. Troisième obus tombe sur la grosse tête de la citadelle, et plus exactement sur la prison du fort, où se trouvent enfermés plusieurs prisonniers allemands, dont l'un est blessé. Les tirs allemands se poursuivent 2 heures durant, faisant s'abattre sur la citadelle 52 obus à fragmentation et 25 obus.